Et il déclare par un communiqué, je cite, « Nous soutenons inconditionnellement toutes les exigences de nos frères et sœurs dans ces cellules de prison sinistres. Et nous condamnons avec force la détention illégale des femmes et des enfants palestiniens dans les prisons israéliennes. Le grand patriarche catholique des chrétiens d'Orient, qui s'appelle Grégoire Lalanne, qui a 83 ans, est en train de faire la grève de la faim en solidarité avec les prisonniers palestiniens. Et il a déclaré, je cite, « Je dis aux prisonniers palestiniens, nous sommes avec vous, vous qui vous sacrifiez pour la Palestine. » Actuellement, de nombreux syndicats européens sont en train de faire pression sur les organisations des droits de l'homme et des droits de l'enfant pour qu'elles soutiennent les prisonniers palestiniens et pour qu'elles interviennent. Parmi ces syndicats européens, il y a des syndicats belges, français, irlandais, norvégiens, anglais, basques, espagnols, écossais et polonais. Et il y a aujourd'hui partout dans le monde des gens qui font la grève de la faim dans la rue, en Manchester, à Londres, à Madrid, à Édimbourg, à Rome, à Naples, en Bologne, etc. Et les prisonniers palestiniens peuvent compter aussi sur le soutien des parlementaires européens qui ont fait un rassemblement à l'intérieur du Parlement européen. Et aujourd'hui, il y a de nombreuses actions en France, notamment Montpellier, Béziers, Nîmes, Annecy, Paris, Aubervilles, Lyon, Saint-Étienne, Paris, etc. Notre manière à nous de lutter contre l'État d'Israël et contre son impunité, parce qu'aujourd'hui Israël jouit d'une impunité la plus totale, c'est de répondre à l'appel de boycott des Palestiniens. La campagne BDS, boycott, désinvestissement, sanctions, c'est une campagne qui est à l'image de la campagne sud-africaine dans les années 80. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pratique le boycott économique, sportif, culturel, universitaire de l'État d'Israël. Et aujourd'hui, on vous demande de boycotter la société Hewlett Packard, HP. Elle ne fabrique pas que les imprimantes et les ordinateurs, mais elle fournit au gouvernement israélien, à l'apartheid israélien, tout le service informatique et d'identification des prisons, des checkpoints, des murs, du ministère de la Défense. Elle se rend complice directement de l'apartheid israélien et on peut dire même qu'elle est complice de crimes d'apartheid. Et on vous demande alors, à vous mesdames, messieurs, pour être solidaires des prisonniers palestiniens, de ne plus acheter d'ordinateurs et d'imprimantes HP
Hewlett Packard. Je rappelle que les produits de Hewlett Packard HP, on les retrouve à la FNAC. Et donc la FNAC est complice, puisque la FNAC a une charte éthique où elle s'engage à ce que ses fournisseurs respectent le droit international, respectent les droits de l'homme, respectent les droits de l'enfant. Or, ce n'est pas le cas de la société HP. Merci à tous. Mohamed, samedi dernier, tu étais à Nîmes, oui. À l'appel du FIQP. Oui. Aujourd'hui, tu es venu avec ton drapeau AFPS soutenir le rassemblement BDS pour le soutien aux prisonniers. Quel est le sens de ta présence alors ? Ma présence, c'est que je suis algérien et je considère que l'occupation de la Palestine ressemble en beaucoup de points à l'occupation de l'Algérie par la France. Donc il y a des similitudes énormes entre les deux occupations et je trouve que c'est une cause juste qu'il faudrait défendre vu la force, surtout ici en France, vu la force du lobby sioniste en France. Je pense qu'il faudrait qu'on soit présent. Et je remercie donc votre organisation d'être présente dans toutes les causes justes. Bonjour. Vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Alors, nous sommes, comme nous disons, nous sommes le collectif Gabon Occitanie. Nous venons pour soutenir l'action de solidarité envers les prisonniers palestiniens qui souffrent et qui ont entamé un mouvement de grève depuis 27 jours. Et nous aussi, on vient pour une autre raison, nous venons apporter notre soutien parce que le collectif Solidarité Soutien aux Palestiniens nous a apporté son soutien et son aide lorsque nous aussi, notre collectif, a organisé des manifestations comme celle du 29 avril ou en d'autres lieux. Donc nous venons leur apporter notre soutien. Mais c'est loin la Palestine pour vous, c'est pas les mêmes problèmes. C'est pas une histoire d'éloignement parce que les problèmes, on les a tous partout sur Terre, quel que soit l'endroit où on se trouve sur Terre, nous avons certainement des problèmes en commun et donc nous devons nous mettre ensemble, nous devons être solidaires pour lutter contre ces gens qui oppriment les peuples, qui mettent le couvercle qui enferme pour que les peuples ne se libèrent pas. Hein, nous appelons tous à l'autodétermination des peuples. Ce n'est pas une affaire de localisation géographique, c'est surtout une affaire de combat. Nous menons le même combat, donc que ce soit en Australie ou au Chili, là-bas, ou à Tahiti, c'est la cause est la même et à partir du moment où la cause est la même, on peut se réunir et c'est d'ailleurs utile et important, nécessaire d'ailleurs, de s'unir pour mener ensemble le même combat qui est contre l'impérialisme occidental et les injustices dont les peuples sont victimes. Voilà. فجر مجد يتسامى